Bon, je me nomme M. Ibrahima Yatma Diaw, donc je suis le président de la section de basket de la ASC Ville de Dakar. Oui, vous savez, on est sur la dernière ligne droite, ce qui veut dire que maintenant c'est plus difficile parce que les joueurs commencent à s'essouffler, donc les matchs chancent, il faut être très concentré et il faut aussi un second souffle quand même. Pour pouvoir bien terminer cette saison. Comme vous le dites, on a 4 demi-finales à préparer. Donc on va faire le maximum pour passer cette étape. Donc l'important c'est d'abord passer cette étape et essayer de jouer le final. Maintenant, par rapport au final, voilà, c'est le fait et on va mettre le maximum. Donc pour le moment, le groupe vit bien. Donc ils sont très très motivés. Les filles sont très motivées. Elles savent toujours les assurances et les attentes qui sont derrière elles. Donc, ce qui veut dire que voilà, elles sont là dans le boulot, elles font le nécessaire. Et nous prions le bon Dieu pour que quand même les résultats puissent suivre. Sur le Ramadan, en fait, on est en train de voir les staffs cliniques et les staffs médicaux. Aujourd'hui, il y a les discussions par rapport au réaménagement du calendrier. C'est important que l'on puisse s'adapter par rapport aux jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, le staff technique est en train de discuter avec les joueuses, avec le staff médical, pour voir quelle approche prendre. Je suis sûr qu'il y aura des aménagements, il y aura des aménagements par rapport à ce moment-là. Ah bon, d'abord, je vous félicite, c'est un site que je suis. Donc, presque tous les 24 heures, je visite votre site. Je vois que vous faites parler beaucoup les acteurs. Je pense que ça, c'est très important. Aujourd'hui, les basketteurs, le staff technique, les arbitres, donc on doit leur donner la parole quand même pour qu'eux, ils puissent quand même, comme c'est eux qui vivent réellement les matchs, pour qu'ils au moins disent le ressentiment et autres. Je pense que c'est un site qui est très dynamique. Donc qui donne aussi les infos à temps réel. Donc je vous félicite et je vous demande de continuer dans ce sens. Et je pense que sous peu quand même vous serez bien connu dans le milieu.